Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie petite poupée au crochet, des poupées porte-clés. Je vais vous donner la mesure des miennes. C'est quelque chose qui se fait assez vite, puis surtout qui permet de finir les restes de coton. Donc ici, j'ai fini le reste de coton que j'avais. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez pour faire les chaussures de la même couleur. Là, par chance, j'avais assez pour faire donc la robe et les chaussures de la même couleur. Ça permet vraiment de liquider ce qu'on a, enfin les petits bouts. Alors on va dire que du chignon jusqu'à sa chaussure, elle fait 13 cm. Alors, vous allez avoir besoin exactement de petits restes de coton, la couleur que vous désirez pour les robes. Ici, comme d'habitude, j'ai pris du coton 3. Vous allez avoir besoin également de petits restes pour les pieds, enfin les pieds et les chaussures. Ici, il m'en restait assez pour faire de la même couleur que la robe. On aura besoin là, il vaudrait mieux en avoir un peu plus. Couleur chair pour faire donc la tête. La tête, les bras et les jambes aussi sont terminés en couleur chair. Vous allez également avoir besoin d'une couleur pour les cheveux. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Moi, j'ai pris celle-là parce que ça me fait penser à du châtain clair. Donc, j'ai pris celle-là, mais j'aurais pu prendre autre chose. Ici, comme j'avais pas de ruban, j'ai fait simplement 40 mailles chaînettes et j'ai accroché. Vous allez également avoir besoin donc, de la ouate pour embourrer la tête et les chaussures. Une petite quantité. Vous allez avoir besoin des œufs de sécurité de 6 mm. Si vous n'en avez pas et que vous avez la chance de savoir coudre, ça sera peut-être plus sympa également. Ici, j'ai fait le nez avec la même couleur que le visage. Et là, c'est également optionnel. C'est donc où vous pouvez simplement faire les mailles chaînettes et l'accrocher directement. Donc, si sur vos porte-clés, vous avez ce genre de pièces, vous pouvez simplement après, avec les mailles chaînettes, accrocher cette pièce-là. Ou alors ici, comme j'en avais encore des petits mousquetons que j'aime énormément parce qu'on peut les déplacer du porte-clés au sac à main, au sac à dos. Donc, on peut toujours les faire bouger. Donc ça, je crois que c'est tout. Non, d'habitude, je crochète le coton 3 avec le crochet 3. Là, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2 pour que nos mailles serrées soient bien, qu'il n'y ait pas d'espace entre nos mailles serrées, pas trop d'espace. Mais je crois que c'est tout ce qu'on aura besoin en fait. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Alors on va déjà commencer par la tête avec la couleur chair et on va faire un cercle magique. Donc le cercle magique, on positionne son fil dans ce sens là, on fait le tour de son doigt. Ici on va passer sur notre premier fil, on va chercher l'autre, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter. Là on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté à 2, 3, 4, 5, 6. Là, on retire notre crochet et on va fermer gentiment notre cercle magique. Donc, on reprend notre fil de départ et on serre pas trop. On fermera mieux après. Si on ferme trop à ce stade-là, on aura plus de peine à faire la suite. Donc là, on a terminé le premier tour. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille que nous avons. On va entrer ici dans la première maille serrée de départ. On profite pour coincer notre fil avec. Et là, on fait une même maille, on fait la deuxième. C'est là où on prend notre repère parce qu'on va travailler en spirale. Maille suivante, on fait également 2 mailles serrées. Dans la même maille, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. C'est la fin du tour numéro 2.
que je serre vraiment mieux mon cercle magique, pas qu'il y ait de trous au centre. Voilà. Donc là, on a terminé le tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc on a fait la maille serrée toute seule. La suivante, on va faire l'augmentation. Ça veut dire deux mailles serrées dans la même maille. Une, même maille, une deuxième. Maille suivante, une maille serrée seule. Dans la suivante, deux. Dans la même. Une seule. Deux dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé. Donc une seule, deux ensemble jusqu'à la fin du tour où on aura 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 4, on va faire deux mailles serrées seules. Donc une dans la première où on marque tout de suite. Devant la deuxième maille serrée seule. Donc on a deux mailles serrées seules. Dans la suivante, on fait l'augmentation. Deux mailles serrées dans la même. De nouveau, une. Deux mailles serrées seules. Dans la suivante, deux. Dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Deux seules, deux ensemble. Ou à la fin, on aura 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 5, on va faire trois mailles serrées seules. Et une augmentation sur tout notre tour. Donc une, deux, trois mailles serrées seules. Dans la suivante, on fait l'augmentation. Deux mailles serrées dans la même. Trois seules. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 6, qui sera le dernier avec augmentation, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la suivante. De nouveau 4 seules, 2, 3, 4. Et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 36 mailles serrées. Donc ici à la fin du sixième tour, nous avons 36 mailles serrées. Le tour du tour numéro 7 jusqu'à la fin du tour numéro 13, on va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée. Il n'y a plus d'augmentation. Donc à partir du septième tour, le prochain, jusqu'à la fin du 13e, vous faites maille serrée sur maille serrée. On se retrouve à la fin du 13e tour, toujours avec 36 mailles serrées. Donc ici, j'ai terminé mon 13e tour, simplement mailles serrées sur mailles serrées. On en a toujours 36. C'est à ce stade que je vais positionner donc les œufs de sécurité comme j'ai fait ici pour celle-là. Si vous avez de la chance et que vous êtes doué pour broder, vous n'êtes pas obligé de mettre les œufs de sécurité. Vous pouvez à la fin les broder. Comme personnellement, je ne le suis pas, je préfère mettre des œufs de sécurité. Donc ici, c'est la partie où on va fermer notre travail. Je préfère mettre les yeux de l'autre côté. Et là, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, après la huitième, on met le premier. Avant de fermer, avant de mettre les sécurités à l'arrière, on va déjà placer le deuxième. Donc là, je l'ai laissé à 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Je l'ai mis au cinquième. Enfin, j'ai laissé 5 mailles d'espace. Là, ça m'a l'air... J'essaie de comparer avec l'autre. Ça m'a l'air bon. Quand on est satisfait, on met les sécurités à l'arrière. Ok, donc pour le 14e tour, on va commencer les diminutions. On va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout le tour. Donc dans la prochaine, on fait une maille serrée seule, qu'on va marquer directement. La diminution, on a ici notre maille serrée devant. Normalement, on l'attrape bien de cette façon-là. Pour la diminution, on va prendre le fil qui se trouve à l'avant,
On va dans l'autre maille, pareil, le fil à l'avant. Un jeté, on ramène. Un jeté, on a fait la diminution. De nouveau, une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 24 mailles serrées. Pour le prochain tour qui sera le 15e, on va simplement faire des diminutions. On va faire 12 diminutions de suite. On commence par la diminution puisqu'on va faire que des diminutions. Je vous laisse faire tout votre tour exactement de la même façon. À la fin, on aura 12 mailles serrées. Donc ici, quand vous avez terminé, je vous conseille déjà de rembourrer la tête avec de la ouate parce qu'après là, on va attaquer le dernier tour des diminutions et ce sera beaucoup plus compliqué après. Pour le dernier tour des diminutions, on va simplement faire... Donc ici, à ce stade, nous avons... 12 mailles serrées, pardon, à ce stade. Là, on va faire 6 diminutions de suite. Alors, une et je la marque dans tous les cas. Vous allez faire 6 diminutions de suite, à la fin on aura 6 mailles serrées. Alors ici j'ai pas fini ma dernière diminution parce qu'on va profiter, donc j'ai déjà coupé le fil une bonne longueur de la couleur de la tête, on va prendre la couleur de la robe. Donc j'ai pas fini ma diminution et je vais la finir avec la nouvelle couleur. Je préfère malgré tout, même si c'est pas forcément évident, faire un nœud entre les deux couleurs. Pour pas que ça se défasse après. Et je coupe quand même. Je laisse une petite longueur pour le coincer, mais je coupe le reste, il y en avait trop. Alors, pour le prochain tour, on va faire 2 mailles en l'air. 2. Un jeté, pardon. On va revenir dans la même maille. Et on va faire une demi-bride. Là. Un jeté. Maille suivante, on la voit bien ici. On va faire 2 demi-brides également à l'intérieur. Maille suivante, pareil. Ça coûte ces fils là, je vois rien. Vous allez faire 2 demi-brides dans chaque maille serrée que vous avez. À la fin, on aura 12 demi-brides. Alors ici, quand on a fait le tour, on doit bien avoir 12 demi-brides. On va compter les 2 mailles en l'air qu'on avait faites ici au départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Un jeté. On passe la maille suivante, on va dans celle d'après. Donc on passe une, on va dans la 2. Et là, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. Un jeté,
On passe une, on va dans la 2. Une bride. Une maille de séparation. Même espace. Une nouvelle bride. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand vous avez terminé, je n'ai pas encore fermé, pour vous montrer, pour être sûr qu'on est tout, on a le bon nombre. Ici, on doit avoir, donc on a une bride, une maille de séparation, une bride, une fois, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Pour terminer le tour, on va compter une, deux, on va dans la troisième maille, et on ferme avec, dans la troisième maille, pas au centre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc dans la troisième et on ferme avec une maille coulée, comme ceci. Pour entamer le tour suivant, on va avec une maille coulée, ici dans l'espace qui sépare les deux brides. Donc on avait fait la maille de séparation, dans l'espace qui les sépare, on fait une maille coulée. On va faire une, deux, trois qui font une bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Donc là, on a deux brides. Une maille de séparation. Un jeté. Même espace, on refait un nouveau groupe de deux brides. Une. Deux. Un jeté directement dans l'espace qui sépare le prochain petit V. Et là, on va refaire exactement la même chose. Deux brides. Une maille de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Un jeté, on a ici la première et la deuxième bride, dans l'espace qui les sépare. On va refaire la même chose, deux brides. Une maille de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Vous allez tout simplement répétez ce même, il veut pas. Donc ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour terminer notre tour, on va compter une, deux, on va dans la troisième maille. On ferme avec une maille coulée. Le prochain, on va avancer en maille coulée jusqu'au centre des brides. Donc on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On va ici dans l'espace qui sépare le groupe des deux brides avec une maille coulée. Une, deux, trois qui font la première bride. Dans le même espace, on va faire deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Une maille de séparation. Toujours même espace, on refait un groupe de trois brides. Un jeté directement dans le prochain espace qui sépare le groupe des brides, on refait exactement la même chose. Un premier groupe de 3. Une maille de séparation, même espace. Un deuxième groupe de 3. Un jeté. Prochain espace qui sépare le groupe de brides. Un premier groupe de 3. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour finir notre tour, comme d'habitude, on va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Là, on va attaquer le dernier tour. On va avancer en maille coulée ici dans l'espace qui sépare nos brides. Donc une maille coulée dans la maille suivante, une dans la suivante et une ici au centre. Donc là on va faire une, deux, trois qui font la première bride et ici à l'intérieur on va rajouter 7 brides de plus pour avoir un groupe de 8. 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
Même espace, la huitième. Un jeté directement dans le prochain espace qui sépare nos groupes de brides. On va refaire exactement la même chose. 8 brides à l'intérieur. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Un jeté directement dans l'espace qui sépare notre groupe. On refait nos 8 brides à l'intérieur. Vous avez donc compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour qui est le dernier pour la robe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour terminer le tour, on va compter 1, 2, on va dans la troisième maille avec une maille coulée. Par sécurité, je fais une maille coulée devant également. Une maille en l'air de plus. Et on coupe de quoi cacher. Là, on va simplement passer, donc ici, on va passer notre fil à l'intérieur de notre robe. Et ou avec votre crochet ou avec une aiguille à coudre, on va les cacher. Sans passer de l'autre côté, on va les cacher ici sous nos brides. Là, quand c'est fait, on peut couper. Donc à ce stade-là, il ne nous reste plus grand-chose à faire. On va commencer par faire les cheveux avec son chignon. Parce qu'après, on n'aura plus que les jambes et les bras. C'est quelque chose qui va assez vite. Donc vous allez faire le cercle magique comme on l'a fait tout à l'heure. Donc le cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer légèrement. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre dans la première. On en fait 2. On profite pour coincer ce fil avec. Donc 2 dans la suivante, on en fait 2. Donc à ce stade, je ferme bien mon cercle magique et nous avons 12 mailles serrées. Donc là, on a commencé par le chignon. Maintenant, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici à ce stade, nous avons 18 mailles serrées. Les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, tout simplement. Donc les deux prochains tours, une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant, simplement maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après pour la suite. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour. Donc là, on a fait une seule. Là, on va faire la diminution. De nouveau, une seule. La diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire tout un tour en maille coulée. Donc, on rentre ici dans notre première maille devant.
On fait une maille coulée, on évite de trop serrer. Je vais quand même marquer la première maille coulée. On va dans la maille suivante. On fait la 2. Dans la suivante, 3, 4, 4, 5, 6, la 12. Alors pour notre prochain tour, on va recommencer les augmentations pour faire les cheveux, enfin faire la tête, la forme de la tête. On va ici dans notre première maille coulée qu'on avait fait. On fait une maille serrée. On va faire une maille serrée seule, une augmentation sur tout notre tour. On a ici la deuxième maille coulée, donc on prend bien les deux fils. Et là, on va en faire deux dans la même. Une. Deux. Dans la suivante, on fait une seule. Et dans la prochaine, on en fait deux dans la même. Et vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour suivant, on va continuer les augmentations. On va faire deux mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc on a fait la première qu'on va marquer, une. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Dans la suivante, on fait l'augmentation. Deux mailles serrées dans la même. Une. Deux seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc maintenant, c'est également à vous de voir. Par rapport à la taille de la tête de votre poupée, il suffit, on ne crochète pas tous et toutes de la même façon, donc on n'aura pas le même résultat. Simplement en posant, savoir si là on peut commencer à faire des tours sans augmentation, si ça risque de passer ou pas. Là, personnellement, je pense que je vais faire encore un tour d'augmentation pour ne pas avoir trop de problèmes quand je vais enfiler la tête. Mais c'est vraiment à vous de juger également. Donc ici, je vais faire un dernier tour d'augmentation. On s'est arrêté à 4. Seule une augmentation, ça veut dire qu'ici je vais en faire 5 seules et une augmentation sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 seules, une augmentation. Et je vais répéter le même procédé jusqu'à la fin. Donc ici je réessaye sur ma tête. Et là je pense que c'est bon, je vais commencer à travailler donc simplement sans augmentation pour pas trop galérer après. Alors maintenant, on va faire, je vais commencer déjà par faire 4 tours, je dirais au fur et à mesure. Simplement maille serrée sur maille serrée, sans augmentation, sans rien du tout. Je vais commencer par en faire 4 et puis au fur et à mesure, je vais essayer sur la tête de la poupée pour voir si ça le fait ou pas. Tout simplement pour les 4 prochains, en tout cas pour moi. Maille serrée sur maille serrée. Donc ici, je vous montre ce que ça donne avec 4 tours. Faites pareil sur votre tête de poupée, c'est plus simple de pouvoir
Comme ça, faites vraiment comme vous désirez. Je vais faire un tout dernier tour pour moi. Et un dernier tour en mailles coulées. J'aime bien la finition des mailles coulées. Voilà, comme ça. Donc, je vais simplement faire un dernier tour. Je vais quand même marquer ma première maille coulée, pardon, pour pas faire le tour 20 fois. Et je vais faire un tour en maille coulée. Alors, je vous laisse terminer ce tour sur maille coulée si vous aimez bien. Après, on n'aura plus qu'à faire les bras et les jambes. Donc ici, je suis arrivée à ma première maille coulée. Pour terminer, je vais donc faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Là, par contre, je vais couper une bonne longueur pour pouvoir coudre les cheveux à la tête. Et on tire dessus. Voilà. Je vais passer mon fil à l'intérieur. Ce sera plus simple après. Voilà. Alors maintenant, vous avez également la possibilité, c'est de mettre de la ouate pour que le chignon reste bien. Garde bien sa forme. Ce n'est absolument pas du tout obligatoire. Hein. C'est vraiment... Pardon, aléatoire. Moi, j'en mets quand même un petit peu, mais c'est voilà, juste pour que ça reste bien, bien fixé. Donc là, on peut déjà positionner les cheveux sur la tête, comme ceci. Là, on peut déjà, je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, finalement, prendre une aiguille à coudre. Donc, bien placer le chignon, si vous le voulez sur le côté, enfin, vous avez compris, bien placer. Moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu comme ça vers l'arrière. Et centré. Ok. Je vais bien tenir les cheveux sur la tête. Et là, je vais simplement entrer... ici dans une maille pour sortir là, je reviens dans la maille derrière, donc en piquant bien la tête, ça je pense que c'est logique là. Hop, là. Enfin, vous avez compris que vous allez simplement faire tout le tour de la même façon en évitant que ça bouge. Ensuite, quand on est arrivé ici au point de départ, on va simplement faire une maille en l'air, couper notre fil, enfin, faire la maille en l'air, cacher nos fils ici sous les cheveux au plus loin que ce soit possible et le couper. Alors là, on va attaquer les jambes. Pour les jambes, j'ai déjà commencé, puisque la base qu'on vient de faire jusqu'à présent, j'ai commencé par un cercle magique de 6 mailles serrées. Le deuxième tour, j'ai doublé toutes mes mailles serrées. Donc le deuxième tour, à la fin, on en a 12. Pour le troisième tour, j'ai fait une augmentation sur tout le tour, comme on l'a fait jusqu'à présent, où on a 18 mailles serrées. Le tour 4 et 5, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour 4 et 5, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve à la fin du tour numéro 5. Pour le prochain tour, qui sera le numéro 6, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout notre tour. Donc une maille serrée seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 12 mailles serrées. Ici, je vais attaquer ma dernière diminution. Sauf que je ne vais pas la terminer avec la même couleur, mais je vais reprendre couleur peau. S'il veut bien. Donc je ramène. J'ai coupé déjà la couleur rose et je vais terminer
avec couleur de la peau. Ici, comme tout à l'heure, je vais faire un nœud entre les deux pour être juste plus sûr que ça ne bougera pas. Maintenant, on va tout simplement faire 6 diminutions de suite. Donc une, et vous allez en faire 6 puisque comme on a 12. On a 12 mailles serrées. On va se retrouver avec 6 mailles serrées à la fin. Donc là, quand vous avez terminé vos diminutions de suite, on va couper une bonne longueur. On va tirer dessus. Ici, on va remplir un petit peu avec de la ouate. C'est pas forcément évident parce que l'espace il est petit, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Donc maintenant on va prendre une aiguille à coudre et puis on va fermer ici les 6 mailles qui nous restent. On va reprendre notre crochet quand c'est bien fermé. On s'introduit dans n'importe quel petit espace qu'on va avoir ici. Et on va chercher notre fil de ce côté-là. Là, on va faire 19 mailles chaînettes. 2, 3. On tire. Donc là, on a nos deux jambes qui sont terminées. Donc là, il nous reste à faire les bras. J'ai déjà commencé. Alors, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec couleur peau, donc couleur chair, j'ai fait un cercle magique avec 5 mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour. Pour le deuxième tour, j'ai doublé mes mailles serrées. Ça veut dire qu'au deuxième tour, j'ai 10 mailles serrées. Le troisième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on a toujours 10 mailles serrées. Pour le quatrième où je vous attendais, on va faire 5 diminutions de suite comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Tout simplement, 5 diminutions de suite. Donc, une. Deux, vous en faites 5. Quand vous avez fait vos 5 diminutions de suite, on va couper également une bonne longueur. On va tirer dessus pour enlever notre fil. On va remplir avec un tout petit peu de ouate. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste pour que ça garde sa petite forme ronde.
On va prendre une aiguille à coudre. On va fermer nos 5 mailles en prenant bien que le fil que l'on voit. Je crois que j'ai trop mis de boîte. Bon. Donc ici, 2, 3, 4, 5. Là, je peux tirer dessus pour bien fermer. On va enlever notre aiguille, reprendre notre crochet. Et là, on va s'introduire dans n'importe quel espace que nous avons sur le haut. On ramène. Et on va faire 8 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 6, 7, 8. On tire dessus. Vous pouvez en faire plus. C'est à vous de voir aussi par rapport à la taille de votre poupée. Peut-être qu'il y aura besoin de plus. C'est vraiment à vous d'ajuster également. Donc maintenant, il nous reste encore à coudre sur la tête. Alors, je viens de vous dire à coudre sur la tête. Vous avez compris que je vais dire à coudre sur le corps. Donc les jambes, j'en ai pris une. Je vais mettre ma poupée bien droite. Je vais m'introduire dans la tête. Je vais sortir derrière. Je vais mettre la deuxième pour la suite. Donc une. On va faire le même principe. La deuxième, du moment c'est bien coincé. J'essaie juste de vérifier que ce soit bien. C'est parfait. Okay. Donc, maintenant qu'on a bien les deux jambes passées au bon endroit, je fais un nœud tout en vérifiant que j'ai pas trop tiré dessus pour pas déformer le. Là, on peut voir qu'on ne voit pas du tout le nœud, donc c'est pas quelque chose qui va être voyant, bien au contraire. Un deuxième et j'arrête là. Maintenant, on va cacher nos fils. Un peu dessus avant de couper. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc maintenant on va coudre les bras. Donc j'en ai déjà fait un. Je vais essayer de faire le deuxième à peu près de la même façon. Donc ça devrait être par là sur la robe. Je vais juste essayer de voir ce que ça donne. Il a l'air plus haut celui-là que celui-là. Okay. Alors si on voit que ça va pas, ben c'est pas grave, on enlève et on recommence tant qu'on n'a pas fait de nœud pour que ce soit fixe. On peut tout refaire. Donc ici j'ai refait en piquant bien sur la première partie de la robe les mailles serrées. Je refais un deuxième passage. Thank you.
troisième où je vais faire un nœud. Comme ceci. Là. Et maintenant, je vais tout simplement cacher mes fils. De façon à les éloigner le plus possible. Avant de couper, on tire un peu sur le fil et on coupe. Donc là, j'ai repris un peu couleur peau, couleur chair pour moi. Je vais essayer de le refaire le nez, ce qui va pas forcément être évident. Quand ça marche une fois, ça marche pas deux. Donc là, j'ai fait. Là. Je me suis introduite là. J'essaie de voir par rapport à la première. Donc, on rentre d'un côté. On va sortir à peu près par là. On laisse ici une longueur. Je fais un dernier passage. Sauf que là, je vais sortir de l'autre côté. Comme ça. Je vais continuer à cacher ce fil discrètement sans que ça se remarque pour l'éloigner. Là, je fais pareil, je tire un peu dessus et je coupe. Comme ça, on ne voit plus rien. On a pratiquement terminé. Alors ici, j'ai rajouté simplement, j'ai fait 40 mailles chaînettes. Comme j'avais pas de ruban, j'ai fait 40 mailles chaînettes et j'ai attaché autour du chignon. Vous pouvez donc la laisser comme ça. Elle est vraiment très belle, très simple et très originale. Ou alors, faire en porte-clés, ce qui est encore plus pratique. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour mettre le petit mousqueton. Personnellement, j'ai une préférence pour cela, parce que j'aime bien, ou comme ça, vous pouvez ou le mettre sur votre porte-clé, ou alors l'accrocher à un sac à main ou un sac à dos, à vous de voir. De cette façon-là, avec cela, on arrive toujours à les déplacer sans souci. Donc je vais vous montrer sur celle-là. J'ai pris la couleur, la même couleur que les cheveux. Je vais aller ici sur le chignon. Donc on s'introduit comme on peut. Là. On ramène. Ici, je laisse quand même toujours une bonne longueur pour que ce soit plus simple. Après, pour le cacher. Là. Je rentre dans le... Dans la même maille où on vient de faire notre nœud, je ramène ici notre fil. Lui, je vais profiter pour faire quelques mailles avec. Donc une, deux, trois, ça suffit pour le coincer. Alors moi ici, pour celle-là, j'ai commencé par 40 mailles chaînettes. Donc 40 mailles chaînettes, c'est beaucoup trop, on sait très bien. Je vais passer dans le mousqueton.
Alors lui, je peux déjà le couper parce que comme il est coincé, il risque plus rien. Là. Et maintenant, je vais simplement voir la hauteur que j'aimerais. Et à ce moment-là, je défais et je reprends. Là, on va tout simplement fermer en rentrant exactement dans la même maille où on a fait nos mailles chaînettes. On va fermer avec une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air de plus et on tire sur notre fil. Il nous reste encore à bien le cacher, au plus loin qu'il soit possible. Je vais faire tout le tour de la tête tranquillement sans que ça se remarque. Juste bien l'éloigner. Je pense que là c'est bon. On tire un peu dessus. Comme ça, on ne voit rien. Et là, on a donc notre poupée porte-clé qui est vraiment super originale, quelque chose de simple à faire et même assez rapide. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.